Merci bien. Je vais endosser le protocole qui a été prononcé ici. Donc, je voudrais saluer toute l'assistance au nom de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Soubé, représentant du préfet de la région de l'Anawa, préfet du département de Soubé. Il me revient l'honneur de lire l'arrêté de nomination du chef du village du Roi, la sous-préfecture, bien évidemment, de Grands Alpins. Je vais également vous faire l'économie des visas et aller directement à la lecture de l'arrêté. Donc, le préfet de la région de l'Anawa, préfet du département de Soubré, sur proposition du sous-préfet de Grands Alpins par correspondance numéro 2299/RM/T/SP/Grands Alpins du 21 novembre 2023, relative à la désignation du chef de village de Roi, arrête. Article 1er, M. Lago Zouzoua Félix, né le 1er janvier 1948 à Kiprewa, sous-préfecture de Soubré, est nommé en qualité de chef du village de Roi, sous-préfecture de Grands Alpins. Mais ça s'applaudit, non? Il n'y a pas de prix de nomination, il faut applaudir le chef. Et là, il y a un peu article 2. En sa qualité d'auxiliaire de l'administration, le chef du village du Roi est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité publique sous l'autorité du sous-préfet. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions relatives à la chefferie traditionnelle du village du Roi, contraires au présent arrêté. Article 4. Le sous-préfet des Grands Alpins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Application bien évidemment, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, déjà été sous-préfecture de Grands Alpins intéressé, signé de M. Kwame B. Kalou Clément, préfet hors grade, préfet bien évidemment. La région de l'Anawa, préfet du département de Soubré. Je vous remercie. Je voudrais profiter de ce micro pour indiquer que c'est le premier acte que le préfet de la région de l'Anawa, préfet du département de Soubré, a signé. Et donc, Roi, vous êtes les privilégiés. Et par conséquent, je voudrais, avec tout le respect du à son rang, inviter Madame le préfet, secrétaire général de la préfecture de Soubré, représentant le préfet de la région de l'Anawa, préfet du département de Soubré, qui en cette qualité, applaudissez-la s'il vous plaît, qui en cette qualité est la personnalité habilitée à remettre l'arrêté du chef du village du Roi. Je vous remercie. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour Ekaé Gwanté. Le chef s'il vous plaît. Voilà, les hôtesses. Allez chercher le chef s'il vous plaît, comité d'organisation. Je vous remets votre arrêté de nomination.
À partir de ce jour, vous disposez de la vérité de vos pouvoirs et vous pouvez les exercer en toute tranquillité. Voilà. Monsieur le chef cap, s'il vous plaît. Vous êtes au moins demandé, le chef de canton également vous êtes demandé. Nous comptons beaucoup. Voilà. On va compter. Un. On va... Deux. Et trois. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements, s'il vous plaît. Il vient d'être installé sur le trône. Il vient de recevoir son arrêté qui fait de lui dorénavant. Ok. Maintenant, vous passez derrière lui. Le central de roi. Restez longtemps dans l'antichambre. Et voilà. Madame le ministre de la cohésion nationale de la solidarité, c'est la lutte contre la pauvreté, représentée ici par son chef de la société. Monsieur le député Dali Jou, Madame le maire de la commune de Grande-Antille, représentée par la troisième adjointe au maire, honorable chef Nathan Pogwa, qui est le pouvoir, honorable chef traditionnel, monsieur le président de la Ministère du Développement de Bois, monsieur le président du comité d'organisation, vénérable, vénéré chef et guide religieux, mesdames et messieurs les membres de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, en vous rendant grâce et qualité. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je prends la parole en ce jour au nom de monsieur le préfet de la région de Nanawa, préfet du département de Soudré, monsieur Kwame Kalou Clément, à l'occasion de l'investiture de monsieur Lamo Joie Félix en qualité de chef de village de Roi. Je vous félicite pour votre investiture comme chef de village de Roi. Il témoigne de la confiance et de l'espoir que vous portez aux populations de ce village. Vous avez la lourde responsabilité de veiller au bien-être, à la sécurité et au développement de votre communauté en qualité de collaborateur de l'administration. En tant que chef du village, vous êtes le garant de l'ordre public et de la stabilité, le promoteur du dialogue. De la cohésion entre les habitants, le soutien des initiatives locales en faveur du progrès du village. À compter sur le soutien indéfectible des populations de Roi, qui sont prêtes à vous accompagner dans l'accomplissement de votre noble mission. Vous êtes le représentant de l'administration, notamment du sous-préfet au niveau du village. Je vous demande donc de respecter, que de faire respecter votre autorité. Je m'adresse à l'ensemble de la population, et particulièrement à la jeunesse, qui doit se montrer respectueuse et solidaire de son chef. Je vous demande d'éviter les contestations ou les sabotages de vos autorités traditionnelles. Soyez des acteurs positifs du développement de votre village. Le chef est l'incarnation de l'autorité morale du village. Au-delà de cette investiture, je tiens également à vous saluer pour l'organisation de ces journées de la cohésion qui sont une belle occasion de valoriser la diversité culturelle
le vivre ensemble et la solidarité entre les habitants du village. Je vous encourage à poursuivre ce type d'initiative qui contribue au bien-être de nos populations. Qui vient d'être officiellement investi dans ce grand projet. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, applaudissements s'il vous plaît. Pour le chef. Désormais, vous récoltez. Réparti comme suit. Réparti. Le chef central, 100 000. Le conseil des chefs, 100 000. Les femmes, 50 000. Les jeunes, 50 000. Les artistes, 50 000. Les forces de l'ordre, 50 000. Le comité d'organisation, 200 000. Et le fonds de développement des rois, 400 000.